Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment comment enregistrer son écran de PC. Donc c'est très très simple. D'abord vous allez aller sur Google. Et là, vous tapez dans la recherche de Google, vous tapez OBS Studio. OBS. Après, vous aurez OBS. Et là, il y aura plein de trucs et tout et tout. Descendez un peu tout en bas et là vous aurez téléchargé OBS Studio Open, je sais pas quoi. Donc vous cliquez. Là vous allez tomber sur cette page. Donc sur cette page, vous aurez Windows, enfin tous les Windows, tous les Mac et tous les Linux, je crois. Ouais. Après, vous mettez télécharger l'installateur. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Après, ça va vous continuer toutes les étapes. Et voilà. Après, vous allez arriver sur une page comme ça, en gros. Voilà, donc une page comme ça. Et sur cette page, vous, déjà, il y a un plus. Dans scène, il y a un plus. Oui, bah oui, il y a un plus. Donc nous, on s'occupe que de scène. Vous mettez ajouter, vous effacez. Et là, vous mettez allez, je sais pas, les tuto. Là, il y a source, il y a source. Là, il y a source. Là, vous mettez plus. Et là, vous mettez capture d'écran. Là, il y a capture d'écran. Là, vous mettez capture. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre capture vidéo tuto. Et là, vous allez voir mon ordinateur. Donc, mon ordinateur. Donc là, vous voyez normalement, je dis bien normalement, mon ordinateur. Et vous mettez OK. Donc, OK. Là, vous avez votre écran. Donc, bien sûr, voilà. Là, vous avez votre écran. Et là, vous pouvez déplacer tout. Donc, après... Vous cliquez ici juste là, commencez à enregistrer et là vous avez commencé le streaming. Attention, commencez pas parce que faut déjà régler quelques trucs dans les paramètres. Donc vous cliquez sur paramètres. Là vous aurez général. Donc je vous conseille de rien toucher dans général, surtout dans Streamflux. Donc là vous aurez service. Moi j'ai mis YouTube RTM. PS et là j'ai mis serveur primary YouTube je sais pas quoi, donc j'ai mis n'importe quoi. Et là normalement vous aurez utilisé une clé de stream, bref ça va vous demander tout. Après vous avez sorti, je vous conseille pas trop d'y assis un truc quand là il y a chemin d'accès de l'enregistrement. Attention, ce n'est pas pour enregistrer votre chemin d'accès. Non, c'est où la vidéo va se mettre. Donc, j'ai trouvé ça tout seul, j'ai même pas eu besoin d'aide, clairement. Et vous mettez parcourir, moi je vais pas le faire parce que voilà quoi. Voilà, là vous avez audio, donc voilà, donc vous avez audio, donc je vous conseille de mettre comme moi haut-parleur, bon c'est auxiliaire, bref. Vidéo, je vous conseille pas trop d'y toucher. Raccourci
clavier. Je conseille pas aussi d'y toucher et avancer, bah aussi non. Voilà. Après, vous mettez comment c'est le soit le streaming, enfin le live quoi, soit une vidéo. Après, vous vous présentez, j'en sais rien. Ouais, aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. Ou par exemple, comment télécharger OBS. Donc voilà, après voilà, vous arrivez sur un site. Bref, tu captes. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc en fait, en gros, c'était pour vous montrer. En fait, c'était pour vous montrer. Par contre, mon live bug. Donc voilà. Bref, c'était pour vous montrer tout. Voilà. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et à partager. Moi, je vous dis tchuss, à la prochaine.